Moi, je dis que c'est super top d'avoir une équipier. Parce que tu es là, enfin, en l'occurrence une équipière, mais c'est un peu pareil. Parce qu'elle veut tout faire, elle fait tout. En plus, elle fait tout très bien. Et moi, je fais plus rien. Et je le fais très bien aussi. C'est ce que je fais le mieux. Oui. Et voilà, donc on va partir par là-bas, visiter. Puisque de toute manière, on ne peut pas sortir de ce golf, puisque demain, il faut revenir pour ces fameux documents. Enfin, bref. Allez, go. Oh, moi, je suis favorable au mouillage, et là, on était super bien, ce mouillage-là. Et il y a un petit robinet au port de pêche, avec l'annexe, on a rempli des bouteilles d'eau, à l'ancienne. Et nous, je fais les formalités, demain, enfin, après-demain, et puis après, on descend sur l'FKAS et tout ça, quoi. Pour suivre le périple sur YouTube, j'ai une chaîne Tabasco, c'est le nom du bateau. Et Pierrot, c'est mon nom, mon prénom. Bon, je vous ai filmé, vous n'aurez pas d'inconvénient à apparaître sur la chaîne. Merci. Merci. Et sinon, belle allure, sur super. L'AIS. Ah ben on n'a pas. J'ai pas. Enfin, j'en ai un tout petit sur la VHF, mais bon. D'accord. Voilà. Donc, ou alors sur Marine Trafic. Vous pouvez nous contacter si vous voulez. Ah ben super. Et on va essayer de passer le canal avant que le vent se lève. Ils annoncent du vent là-bas ? Ah, de l'air. Des rafales le soir, là. De l'air là, ouais. Comme c'est assez froid. Ok, eh ben bonne poursuite. Jusqu'en octobre. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt. Alors, séquence localisation. Italie, on a compris, la Corse, tout ça. Nous sommes là. We are here. Greece. Là, nous avons une mer intérieure, on peut dire ça parce qu'il y a 15 000 nautiques de là à là. Et donc, on va grenouiller là-dedans, enfin, on va pas aller bien loin parce qu'ici, ça représente peut-être pas grand intérêt. Mais nous, aujourd'hui, donc, nous quittons Prevezza ici, on chemine par là et on va aller ici à Vonizza et mouiller soit ici, soit devant le village, soit derrière là. Voilà le programme. Et autour de nous, qu'est-ce que ça donne? C'est calme. On a un petit courant de face quand même d'un demi-nœud. C'est, ça a son charme. C'est pas tombé par terre, mais ça a son charme. Nous venir de là et aller là en ce profonde sympathique qui se présente comme ça. Et ici, donc là, village pour ce soir, tranquille, ou demain. Voilà, on rentre dans, ça s'appelle Marcou. Il y a déjà 4 voiliers, 3 voiliers, un kata et là un chalet alpin. Le mec il s'est un peu trompé là. Il rêvait d'aller en Autriche, il est venu en Grèce, il a failli chaler. Il a dit c'est pareil, moi je veux y chaler. L'Autriche, bah il fait pas froid, il veut aller en Grèce. Mais avec moi chalet. Bon voilà. 12,70 m. Ouais, 12,70 m et on est vraiment pas loin du bord. C'est d'un calme. Donc. Il faut se trouver un endroit. Ah, les petits poissons. Où on va. Ou alors, comme on a dit, droit devant. Ou alors entre les deux voiliers, là, tu vois. Droit devant, c'est bien. Allez. Il y a toujours 12,60 m. Ce beau petit mouillage. On sent. On sent la nature. Ouais, il fait bon, là, il y a du vent.
sortie est très jolie. Tabasco, tout seul, dans sa lagune. Il y en a un qui arrive à toute berzingue. Oh, lui, il doit bien connaître. Il arrive à Donf. Chacun son tour. Montre toujours les beautés de la nature, mais il y a aussi les belles merdes de l'homme et non pas de la nature. Et là, il y en a un sacré condensé quand même. Et c'est très dommage. Ils ont peur, pêcheurs. Sauf lui. C'est téméraire. Oh là 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 là, le gros là. Ça, c'est le pepper. Mais comme il pèse, lui. Salut, mon pote. Ça va, mon pote? Ah, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je me recule. Voilà, moi aussi, je fais comme ça. Mais qu'est-ce qu'il mange là? Il n'y a que de la terre. Alors qu'à côté il se gaverait, putain. C'est ouvert là, il mangerait à profusion, mais là. Pauvre bête. Voilà, 7h du matin, le 10 juin peut-être, lundi. Toujours dans le golfe d'Amvria, quelque chose comme ça. À deux pas de Vonitsa, ici où nous allons aller aujourd'hui.